compter les boutons bombard là. Je chassais avec un pipe sight, je mettrais un pipe sight, mais je préfère les boutons bombard maintenant. Donc pour se prendre une référence, on va comparer un petit peu avec cet arc là au niveau du D-loop. Donc j'ai un bouton du bas qui a à peu près 3,2 cm et le bouton du haut qui a 7. On va essayer de les mettre à peu près au même endroit. Donc j'ai fait une vidéo sur comment monter les boutons Bomard. La clé, c'est de savoir faire un nœud constricteur. Celui-là, il est en place, donc ça c'est bon. Donc on a 17 cm. Il faudrait le remonter un tout petit peu. Et donc, on a toujours une période d'ajustement pour essayer de savoir si on est au bon endroit. Donc c'est pour ça qu'au départ, je laisse un petit peu de longueur de corde pour permettre justement d'ajuster. Une fois qu'on sera ajusté, on viendra tout serrer avec les pinces. Donc voilà. Donc là, on va mettre le petit. Comme ceci, là. Voilà. Celui-là, il clip bien, donc c'est parfait. Donc on va le tourner sur la droite. 3,2 cm. Il faut que je monte un petit peu. Mais de toute façon, il va falloir le serrer. Donc, on va pas trop s'exciter pour le moment. On va venir faire un nœud constricteur comme il faut. Et pour céder, on va utiliser une petite paille. Donc voilà ma petite paille. Donc je viens me positionner dessus. Hop. Et je vais essayer de pincer la corde entre la corde de l'arc et la paille. Et après venir tourner par-dessus comme ceci. Alors là, celui-là, c'est petit. On ne peut pas faire beaucoup de tours. On va quand même essayer d'en faire 5 et au minimum 4. On a 2, 3. Ok, donc on va le tourner dans l'autre sens parce que c'est là où j'ai la pression sûrement sur moi. Et on a dit 3,2 cm, donc il va falloir remonter. Voilà, check. Un peu trop là. 3 cm on est pas mal. On va resserrer un petit peu à la main pour le garder en place, et puis après ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tendre l'arc les yeux fermés pour voir si on est confortable, et puis si tout est bien, on va finir la mise en place des boutons Bomard et on va les tirer avant qu'il fasse nuit. Alors quand vous serrez, faites attention de ne pas abîmer votre arc, parce que des fois en serrant les pinces partent un petit peu n'importe où. Et on peut abîmer son arc. Voilà. Bon. Ouais, d'ailleurs, je ne sais même pas si j'arriverai à le bouger tellement j'ai serré. J'ai peut-être serré un peu trop là. On coupe. En faisant attention de ne pas couper la corde de son arc. Et donc là, on va regarder si on est confortable ou pas avec ce réglage. Si on n'est pas confortable, on va ajuster. Alors, hop, les yeux fermés. Je trouve bien le bouton du bas, c'est parfait. Par contre, mon nez ne touche pas le kisser. Il faut que je le remonte. On est bien là. Je touche le bout de mon nez. Parfait. On va essayer encore un coup. Hop, coin de la lèvre. Pose mon nez. Parfait. On va serrer ça. Et brûler. Et essayer d'aller tirer un petit peu quand même. Avant qu'il fasse nuit. Donc. Prends ça, on fait deux tours. Prends celui-là, on fait quelques tours aussi. Et c'est parti. Quand on serre comme ça, il y a moins de risque d'abîmer son arc. Une en bas, une en haut, ça c'est pas mal. Ça bouge plus. Voilà, on va couper et on va venir brûler en partant de l'extérieur de l'arc vers l'intérieur. Il faut essayer de ne pas couper la corde de son arc, c'est quand même important. Voilà, ici. Bon, on va commencer à brûler celui-ci. Voilà, il n'y a pas besoin de brûler beaucoup.
bien celle-ci. Bon, voilà, on commence avec une cible qu'on met assez près parce qu'on ne sait pas si on va tirer dedans, si on la met trop loin. Donc quand on est prêt, on a plus de chance. Et on va prendre la pointe du viseur en haut. Donc, je me sens bien, j'ai du bon contact, je touche avec le nez, je prends le milieu de la cible. Et on tire. Là, je devrais tirer au-dessus compte tenu de la distance. Donc je tire à droite et trop bas. Donc contrairement au réglage de repose flèche, là on va dans le sens de la flèche. Donc je tire trop à droite, donc je pousse mon viseur davantage sur la droite. Là je devrais être très au-dessus, donc je tire en bas. Donc ça veut dire qu'il faut que je descende mon viseur. On va viser dans le B. Donc là on est centré, donc ça veut dire que en ramenant le viseur sur la droite, on est bon, et en descendant le viseur, on a remonté le tir, donc c'est parfait. Donc là on va pouvoir aller tirer à peu près 20 mètres, 18 mètres, équivalent de 20 yards. Donc la flèche est haute sur la gauche, mais c'est possible que ça vienne de moi, donc on va en mettre une. Voilà, donc je pense que ça venait de moi parce que celle-là, elle est centrée, elle est juste un petit peu haute. On est à peu près à 20 yards, donc on est un peu haut. Donc je vais le. Même chose que ce qu'on a dit, on va dans le sens de la flèche. Donc il faut que je remonte mon viseur un petit peu. Je vais remonter un tout petit peu. Allez voir ça en cible. Je pense qu'on est pas mal. Elles se touchent un tout petit peu bas sur la droite. On va peut-être mettre un clic pour ramener le tir au centre. Donc un clic sur la droite, deux clics en haut. Et on va se mettre à tirer une lame pour voir ce que ça donne. Donc voilà, donc on va mettre une lame Magnus en 125. Donc j'en ai que j'utilise souvent pour mes réglages comme ça. J'ai pas besoin de les aiguiser. On va voir où est-ce qu'elle va cette lame. Et on va tirer une pointe derrière pour voir si on arrive à peu près dans le même trou. Bon. J'étais dans le centre. Quand j'ai lâché, la hauteur est bonne. Elle est partie très à gauche. C'est possible que ça vienne de moi. On va refaire un essai après. Bon, je pense pas que ça vienne de moi. Donc peut-être qu'il va falloir ajuster un petit peu le repose flèche. Là on s'aperçoit qu'on a deux flèches qui tirent à la bonne hauteur. Mais on a un décalage là. Donc même si on a fait du paper tuning, c'est pas forcément suffisant. Puisqu'on n'a pas forcément un tir qui est au même endroit. Là on a un peu moins de 10 cm, mais on a quand même de la place entre les deux. La hauteur est bonne. Alors voilà, on va mettre deux monkey tails. Juste une juste là. Voilà, tchac, ça c'est bon. Et une juste là. Donc on a dit qu'on allait bouger le repose flèche. Alors quand on a un repose flèche micrométrique, c'est encore mieux. Sinon il faut vraiment bien marquer. On a dit qu'on bougeait. La flèche tire à gauche, donc on le bouge sur la droite. Là il faut essayer de desserrer. Bien remarquer le point. Là je ne l'ai pas bougé de beaucoup, vraiment pas beaucoup sur la droite. On va voir ce que ça va donner. Donc ça fait une volée, ça n'a pas été trop mal lâché.
Les deux sont proches. Ce qui me plaît là, c'est que la lame, elle est... Quand je lâche la lame en hauteur, je fais pas trop attention, mais j'essaye d'être bien sur la ligne. Et là, je suis vraiment bien dessus. Donc ça, c'est bien à voir. Donc, je pense qu'on est pas mal. Bon, là je pense qu'on a deux flèches qui se touchent. Donc ça c'est très bon. Je pense pas que je vais pouvoir faire mieux que ça. Régler la lame et la pointe. On va vérifier le réglage du viseur un peu plus tard. C'est possible que je tire un poil à gauche maintenant. Les deux étaient à gauche. Et donc voilà, l'objectif de la vidéo, c'était de vous montrer que plein de choses qu'on peut apprendre par soi-même. Et ça peut être très utile de savoir faire les choses soi-même plutôt que de devoir rester dépendant d'un armurier ou autre technicien. Alors, il y a des choses qui valent le coup de leur donner, c'est clair. Mais pour d'autres, c'est mieux si vous êtes capable de vous débrouiller seul. Et puis c'est un process qui est sympa. Donc voilà, donc pour récapituler, mettre son D-loop, knocking point, c'est simple. Régler son repose-flèche sur du papier. Poser son viseur. Mettre en place son... peep sight ou les Bowman nose button, et après aller en cible pour dans un premier temps régler son viseur et dans un deuxième temps vérifier que on a bien des lames qui touchent avec les field points. Voilà, et avec ça normalement vous avez un arc qui est prêt.